Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau vlog. Nous sommes actuellement lundi 10 août. J'ai énormément de choses à faire aujourd'hui. Je sais même pas si je vais pouvoir tout faire aujourd'hui. À 11h, j'ai un rendez-vous qui va me durer environ une heure. Il y a beaucoup d'environ. Ensuite, je reviens ici et je vous annonce le programme de la journée. Je dois aller faire les courses. Je dois aller me faire épiler. Je dois ranger l'appartement, je dois nettoyer l'appartement, je dois ranger donc toutes les pièces, ça va me prendre énormément de temps. Ce soir, il faut que j'aille chez ma sœur pour qu'on fasse le fameux projet personnel. Et ça va prendre du temps, vraiment beaucoup de temps, donc j'ai beaucoup de choses à faire. J'aimerais bien m'acheter des fleurs et tout, genre ça manque de fleurs là, j'ai envie de voir des fleurs. En tout cas, beaucoup de choses à faire et je vais vous montrer aussi ma night routine vite fait, genre des produits que j'utilise en ce moment, ils sont vraiment bien. J'ai changé quelques petites choses pour ma routine du matin, je teste une autre crème du jour. En fait, je sais pas si c'est la crème qui me donne des boutons ou pas, ou si c'est ma pilule, ou si c'était parce que j'avais mes règles. Mais je change de crème pour voir un peu ce que ça donne, de toute façon je vous en parlerai. Donc la crème que j'utilisais avant, que là que j'arrête, c'est la crème avant, la crème éclaircissante. En fait il y a des paillettes, des espèces de petites paillettes, des petits iris à l'intérieur. Et je pense que ma peau elle kiffe pas trop tu vois, pourtant c'est une bonne crème. Mais je sais pas voilà si c'est mes règles, si c'était le stress, si c'était des choses comme ça qui ont fait que j'avais beaucoup de boutons. Mais en tout cas la pilule elle me donne des boutons, ça c'est sûr et certain. Donc comment ça va vous? Il fait chaud? Il fait chaud, je n'en peux plus. Hier j'ai pu récolter mes petites tomates, je suis trop contente. Regardez, c'est la petite cueillette du jour, les petites tomates. On en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. L'étiquette. Ouais. Donc voilà, il en reste encore quelques-unes sur le pied de tomate. Et l'autre là, le grand, il est gigantesque. Il y a des tomates qui poussent. Hier on a aussi taillé les menthes. Donc bref, il y a pas mal de choses à faire. Là j'ai plus rien dans le frigo. Et en fait, comme il fait chaud, il faut que j'y aille de bonne heure, tu sais, pour pas qu'on soit au pic de la chaleur. Et je vais prendre mon café, je vais sortir Birdie, je vais aussi me maquiller vite fait, je sais pas. Bon, le Birdie qui boit. Oh, il est trop mignon mon chat. Il est sur son dos avec les quatre pattes en l'air. Trop beau. Bref, j'ai eu mon petit rendez-vous donc je suis contente, je vais vous montrer mes tomates. Donc là en fait il y a mon copain qui a tout taillé parce que c'était... c'était mort entre guillemets, il y avait beaucoup de maladies et tout, donc il a tout coupé et ça c'est mort aussi, genre il a pris cher mon calendrier. Après ça fait longtemps que je l'ai, hein, je suis contente. Et là en fait j'ai demandé à Truffaut, à un conseiller, il m'a dit bah dès que les petites tomates là elles ont jauni, bah après ce plant là en fait il décède, il meurt. Et l'autre là, putain mais c'est une jungle. Donc là j'ai une tomate en train de pousser là, c'est trop bien. Donc j'essaie de mettre un tuteur pour que ça tienne. Donc là comme il fait pas trop chaud là, il doit faire combien? Attendez, je vous pose. Ça va, on est sur un 31 degrés. Et après ça va être 34, 35, 36. Donc je préfère y aller maintenant au faire les courses. Vous avez une petite tache là, non? Mais il faut me dire quand vous êtes sales les enfants. Donc bref, je vais aller faire les courses. Et je vous montre en rentrant bah, tout ce que je prends. Donc je vais pas prendre grand chose non plus parce que je vais être à pied. Mais je vais acheter beaucoup de boissons en fait parce que j'ai trop soif en ce moment. J'ai envie de frais, genre iced tea, coca, enfin tu connais un peu. Il faut que j'achète un peu de pastèque, j'aimerais bien acheter du citron aussi pour faire des citronnades. Ah et je vous ai pas dit mais moi quand je fais mes courses, je fais les courses avec le scan libre. Vous savez les petites scanettes. Comme ça bah, je sais où j'en suis, je scanne mes produits, je connais les prix. Et comme ça à laquelle je suis pas en mode ah ça fait 500 balles, j'étais pas préparée. Donc on connaît les prix, on connaît les promotions, on voit si la promotion s'applique bien. Donc moi en fait je fais toujours ça, il suffit juste d'aller à l'accueil vous savez et tu donnes ta carte fidélité Carrefour et après t'enregistres, après tu peux utiliser les scanettes. Donc moi je fais tout le temps ça. Oh, j'ai mal au dos et j'ai pété mon caddie. Je suis heureuse. Je crois que j'ai pété les roues en fait, c'est chiant, genre c'est pas droit quand tu regardes ça comme ça, c'est pas très droit. Je n'en peux plus, je suis en sueur, peut-être dans le dos. Oh oui! Et à un moment donné, tu sais, on est en scanline, donc des fois il faut sortir des achats. D'habitude, c'est genre 7 ou 8 articles, tu vois, au pif. Et là, elle me dit, ouais, faudra sortir 16 articles. 16! J'ai dû vider tout mon sac à dos et quasiment la moitié de mon sac à bas, j'étais en mode, de mon caddie. J'étais en mode, mais.
Et en plus, elle pouvait pas se connaître, tu sais, les concombres et tout. Moi, j'avais beaucoup de concombres. Genre, je sortais tous mes trucs de concombres, je lui disais, ça va vivre 3 concombres et tout, il restera plus de 13 articles, tu vois. Elle me fait, non, mais je peux pas scanner ça. Donc, en fait, j'ai vidé tout mon sac à dos devant tout le monde, j'ai galéré et tout, à tout remettre, etc. Pour au final qu'elle me dise, ah non, désolé, les concombres, tous les trucs en vrac, je ne peux pas scanner. Frérot, dis-le-moi avant. J'en ai eu pour 70 euros. J'ai pas pris grand-chose, j'ai pris beaucoup de boissons en fait. C'est ce que je vous ai dit, j'ai pris beaucoup de boissons. J'ai voulu prendre des surgelés. Ah, j'ai oublié un truc. J'ai voulu prendre des surgelés et tout, tu vois, mais j'avais plus de place dans mon sac à dos. C'était lourd, j'avais chaud, j'en avais marre. Alors déjà j'ai pris du pain parce que j'ai acheté des rillettes, donc je voulais avoir du pain pour manger avec ça. J'ai pris des petits champignons à 1 euro, j'ai pris des tomates cerises à 2 euros, j'ai pris des fameuses bananes à 1 euro, j'ai pris des citrons pour faire, vous savez, des eaux aromatisées au citron et tout, avec de la menthe, je vais faire ça avec. Et j'ai pris aussi des concombres pour faire aussi des eaux aromatisées. Donc là il y a les citrons verts, je crois que c'était 2... Non, c'était 1 euro les 3 citrons verts, donc j'ai pris ça. J'ai pris ensuite des avocats, donc c'était les 3 pour 2,70€. J'ai repris du raisin, ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé de raisin. Donc du raisin blanc en vrac en fait. J'ai pris donc de la menthe que je vais mettre directement au frigo. Parce qu'à l'air libre, ça sèche, donc c'est pas terrible. Donc voilà, ça je vais mettre ça dans une grosse... Je sais pas si je l'ai là. Je sais pas où est-ce que je l'ai mise. Bonne question Elisa, où est-ce que tu l'as mise? Je sais pas du tout où je l'ai rangé. Bon, en gros, vous savez, j'avais un gros, une grosse carafe. En gros, tu fais comme ça pour faire sortir l'eau. Je sais pas où c'est. J'ai pris ensuite 3 concombres. Donc, c'était 2,70€ les 3. Donc, c'est pour faire aussi les eaux aromatisées, vous savez, avec le concombre. J'ai pris des petits sushis. Voilà, j'ai pris ça pour moi ce midi. C'est hyper cher, hein, vraiment fou. Mais bon, je me suis dit, vas-y, flemme de me faire à bouffer là ce midi, j'ai envie de sushi. Ensuite, j'ai pris des haricots verts extra fins de la marque Casse-Grain. Je connais pas du tout. C'est la première fois que je prends des haricots verts comme ça. D'habitude, je les prends, vous savez, en congelé. Mais je me suis dit, vas-y, pourquoi pas en test. J'ai pris des petits pois carottes. Je n'aime pas les carottes, mais vas-y, il faut faire des concessions, tu vois. J'ai pris ensuite ça que j'adore. Vous savez, c'est les petits yaourts. Par contre, ça coûte cher. Hein. Ça, c'est très cher. Fraise, la fraise avec des morceaux et tout. Genre, c'est archi bon. Je vous les conseille tellement. C'est super bon. Après, c'est super cher. J'ai pris à la pêche. C'est trop bon aussi. Et à la nectarine blanche. Ils font aussi à la poire et tout. Enfin, bon, ils font des... C'est une grosse tuerie. Ensuite, j'ai pris ça, les bolognaises. Bon, c'est de la merde, mais... Vas-y, j'en mange jamais. Des Bordeaux Chanel, donc vous savez, c'est pour manger avec mon petit pain. Qu'est-ce que tu fais, toi? J'ai pris... Ah, j'ai pris du pain de mie. Bon, voilà, j'ai deux pains. J'ai pris une quiche Lorraine. Ça fait tellement longtemps que je n'ai pas mangé une quiche Lorraine. Donc, vas-y, j'ai pris la marque Carrefour. C'était pas très cher. J'ai pris du maïs en 3 boîtes de la marque Carrefour. J'ai pris aussi du poulet à 7 euros. J'ai pris... Des chips, la base, les chips à l'ancienne. J'ai pris aussi du fousti, donc le fousti, thé vert glacé, saveur citron vert et menthe. Et j'ai pris le basique à la mangue, enfin, ouais, à la pêche, pardon. J'ai pris 3 bouteilles de lait de la marque Carrefour. J'ai pris 2 fois ça, parce que j'adore ces yaourts-là. En fait, la dernière fois, j'avais acheté beaucoup de yaourts au chocolat et tout. Là, j'ai fait une overdose, donc j'ai pris beaucoup de fruits. Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah non, il y a la fenêtre ouverte, hein, Michel. Attends, tu montes pas, hein. Donc j'ai pris ça, c'est, vous savez, amandes coco, vanille, citron, fraise, c'est super bon, j'ai pris en 2 fois. J'ai pris ça, je crois que j'ai déjà testé une fois, mais je me souvenais plus du goût, donc bah je l'ai repris. C'est perle de lait avec, vous savez, de la crème de marron en dessous. Oh, j'adore la crème de marron, tellement calorique, mais tellement bon. J'ai pris ensuite du jus d'orange pour ma familiale, 1,5 L. Bon, ça va me durer 2 jours, mais j'avais plus de place dans mon cali, donc je pouvais pas en prendre plusieurs. Et en fait, celui-là, faut le mettre au frais, c'est pas genre comme des bouteilles, comme je vous montre d'habitude, vous savez, en pack de 6. Ça, faut le mettre directement au frais. Et j'ai pris du Coco Colo, voilà. Pas vraiment pris beaucoup de choses, j'ai pris beaucoup de boissons, genre il y a au moins 20 balles de boissons, tu vois. Mais et beaucoup de... Les yaourts, ils coûtent cher, hein. Ils coûtent dans les 2 euros, donc si plus de 10 euros aussi les yaourts, donc ça va vite. Mais qu'est-ce qu'il fait ce chat prince? Donc voilà, je trouve que ça fait super coloré dans mon frigo. Genre il manque juste, tu sais, le poulet, mais j'attends qu'il refroidisse parce qu'il est bouillant. Donc là je vais faire une petite eau avec aromatisée au citron vert et citron, donc avec de la menthe. Je vais mettre 2 citrons et 1 citron vert, je pense que ça suffira. On va faire ça ensemble, donc je vais juste découper, mettre de l'eau et laisser au frigo. Il y a une guêpe.
échappe chez moi, sa mère. Si Bichette il la voit, il va vouloir la bouffer, sauf qu'elle a un putain de dard. Comment on fait? Oh non, 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 je viens de faire ma citronnade, tu te casses. Oui, casse-toi, casse-toi, casse-toi. Oui, 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 oui. Oui, oui. Elle est partie. Oh non, mais ce genre de choses, moi, j'aime pas ça. Hein. Et il y a mon conjoint qui a acheté ça, c'est sucre de fleur de coco. Donc c'est du sucre coco. Donc je pense que je vais en mettre un petit peu dedans, genre une ou deux cuillères. Donc c'est bio, c'est de la marque Alnatura. Faudrait que je le mette dans un bocal. Ils en vendent pas en vrac malheureusement, de toute façon le sucre c'est rare qu'ils en vendent en vrac. Par contre j'aime pas trop l'odeur, mais c'est un peu roux, voilà. C'est 3 fois meilleur que le sucre normal pour notre organisme. Donc voilà, si ça intéresse des gens, je sais pas si vous pouvez retrouver ça à Carrefour. Je sais pas si, je sais même pas où est-ce qu'il l'a trouvé. Ah mais c'est un code Truffaut. Ah ça vient de chez Truffaut. Ça vient de chez Truffaut, d'accord. Je sais pas comment. C'est 4 euros je pense ça. Je prends une grosse cuillère quand même. Petite mise au point. Voilà. Ça colore pas mal l'eau. Genre l'eau elle est couleur curry, tu vois. Donc voilà ce que ça donne. On va mettre le petit capuchon au frigo. Et ça sera prêt, je pense, d'ici 5 heures. Au moins ce soir j'aurai une petite boisson et demain matin aussi, tu sais. Ouais, je sais, il faut que j'aille vider les poubelles encore une fois. J'ai reçu mes colis. Donc là, c'est le colis, le legging qui manquait de Ocean's Apart. Là, c'est une commande Bershka que j'ai faite. Ah, le fameux pantalon. Bah écoutez, je le testerai et je vous dirai ça sur Instagram ou dans un futur vlog. Mais compte, quand tu vas transpirer du cul, on verra ta transpiration. Donc ouais, bah écoutez, on verra ce que ça donne. Et ensuite, ma commande Bershka. Je vais pas vous montrer ma commande parce que faut que je vous fasse un petit haul. Ce serait bien. Je vais pas vous montrer ça comme ça parce que sinon la vidéo elle va durer 40 ans. Déjà, je suis sûre que ça fait déjà 15 minutes que je parle pour rien. Franchement, je fais de plus en plus de commandes chez Bershka. Je trouve que les prix sont un peu plus élevés, tu vois, que des t-shirts Jennifer et tout. Mais c'est normal, c'est parce que la qualité est meilleure. Et je trouve qu'ils sont trop beaux. Genre, les vêtements sont trop beaux. Je vais aller chez Body Minute. Je vous raconte ma vie, hein, désolé. Body Minute. À Skip, il y a des trucs étudiants et tout. Ah ouais, en fait, il y a des trucs avec les tarifs abonnés. J'adore épilation, maillot sexy. Je suis morte. Donc, faut que j'y aille parce que moi, faut vraiment que j'aille me faire épiler. J'en peux plus. J'en peux plus de me raser. Franchement, en été, c'est pas possible. T'as même pas dit bonjour à la caméra. Viens, monte. Monte, mon amour. Viens, viens voir maman. Oh mon bobo. Oh mon bobo d'amour, oh je t'aime, oh je t'aime, oh je t'aime, oh lolo, comment ça va? Ils ont chaud, j'ai voulu acheter un tapis rafraîchissant à Truffaut, parce que pareil ils sont super bien, sauf qu'ils m'ont dit, mais en fait Elisa si ton chat il fait ses griffes dedans, bah le gel il se perce, enfin ça se perce et c'est foutu en fait. Et je me suis dit, ah oui c'est vrai, et comme Bichette aime bien faire ses petites griffes sur les tapis, je me dis, ah, bah oui t'en peux plus mon cœur, bah je sais que t'en peux plus. Tu en es là, belle épine? À Body Minute? Je souffre. Bon, donc je viens d'aller à Body Minute. Donc je me suis abonnée, c'est vraiment pas très très cher, 5 euros par zone. Et vraiment, j'ai, enfin, je trouve que c'est pas très très cher. Donc c'est 8 euros pour les étudiants par mois. Par contre, j'ai eu une fille qui m'a fait donc l'épilation. Nonchalante, pas agréable du tout. Enfin, tu sais, genre, on savait pas pourquoi elle était là, tu sais, genre, enfin, vraiment, j'ai pas eu quelqu'un de très douillé. Enfin, moi j'aime bien quand on met la main, tu sais, après avoir arraché, on met la main pour que on souffre pas trop, tu vois ou pas. Là, c'était, on s'en bat les couilles, tu vois. J'ai fait donc le maillot intégral. J'ai jamais autant souffert de ma vie. France, et le pire, c'est, tu sais, quand elle met la cire au niveau des lèvres et que ça se met au niveau de l'intérieur des lèvres, tu vois ou pas? T'as peur que la cire aille dans ton vagin. J'avais tellement peur de ça. Et quand elle l'arrachait, ça faisait des à-coups, tu sais. Après, les aisselles, ça allait vite fait. En 2 coups, c'était fait. Les cuisses, j'ai fait les cuisses aussi. Le travail est bien fait. J'ai pas regardé le maillot parce que je sais qu'il y a du sang. Et moi, le sang, ça fait 15. On a un, il est au bout de sa vie. Il en peut plus. Donc là je suis en train d'aérer parce que il fait frais pour une fois, donc là j'ouvre un peu les fenêtres pour vraiment bien aérer parce qu'il fait vraiment trop chaud.
Non, Prince, tu vas pas sur le balcon, hein. Donc là, aujourd'hui, j'ai filmé des petites vidéos, enfin une vidéo Shein. Un haul que vous allez voir dimanche, normalement, si j'arrive à bien tout monter en temps et en heure. Donc là, je vais vous montrer un peu une petite routine que je suis en train de faire en ce moment. Donc déjà, pour me démaquiller, j'utilise cette solution micellaire. De toute façon, vous allez la voir souvent vu que j'en ai qu'une. Donc pour démaquiller, à l'eau de rose de la marque Garnier. Ensuite, ce que je teste en ce moment, après ça c'est le matin que je le fais. Ça, je le mets le matin. J'ai arrêté de mettre la crème avant pour voir un peu l'effet sur ma peau. Je trouve que ma peau, elle est bien mieux. Après, je sais pas si c'est vraiment la crème, quand je vous disais la dernière fois. Donc là, j'utilise ça en ce moment. C'est la Melvita, c'est Nectar de Rose Infusion. Soin de jour hydratant, donc je mets ça le matin. Le soir, sinon, j'ai plusieurs types de crèmes que je mets en ce moment. Donc le soir, je mets soit cette crème-là, donc c'est la crème anti-pollution. Je vous l'ai déjà présentée plusieurs fois sur ma chaîne de la marque avant. Par contre, c'est que la nuit, hein, c'est pas le jour. Donc mettez pas ça le jour parce que je crois qu'il faudra mettre un SPF. Sinon, il y a la marque Polar qui m'a envoyé leurs petits produits. Et j'étais trop contente parce que... Enfin, les vrais savent, hein. J'ai reçu le masque revitalisant de la marque Polar aux algues boréales. Il est génial, vraiment génial, génial, génial. Je suis hyper contente, je vais l'appliquer là ce soir. La peau, elle est toute douce, la peau, elle est magnifique au réveil le matin. On dirait qu'elle est rebondie. Franchement, j'adore la marque Polar. J'avais, vous savez, la crème revitalisante en miniature que j'utilisais souvent. Je vous l'ai déjà montré dans mes routines. Et là, en fait, ils m'ont envoyé la crème en gros format. Je suis ravie. Donc il m'a envoyé la crème, donc ça se présente comme ça de base. Donc voilà, j'essaye de finir plutôt mon petit tube et, avant d'entamer vraiment la crème. Mais je suis tellement contente, cette crème là les gars, cette crème c'est une divinité. Vous avez la peau sèche, déshydratée, un peu tiraillée, vous mettez ça le lendemain, ta peau elle est parfaite. Ensuite il m'a envoyé des petits patchs pour les yeux, donc moi il m'en reste deux, je crois qu'il y en avait 5 à l'intérieur ou 4, je sais plus. Donc en gros c'est des petits patchs que tu mets en dessous des yeux et je vais l'appliquer ce soir. Donc c'est avec du ginseng, je sais jamais comment on prononce cette chose là, ginseng, je sais plus. Donc c'est un patch défatisant du regard, on va le mettre aussi ce soir. Donc je vais mettre ce petit patch et ensuite je vais mettre ce petit masque qui est excellent, vraiment je le conseille vivement. De toute façon ça vous connaissez, la crème Polar revitalisante. Je vais pas vous en parler, je vous en ai déjà parlé énormément sur ma chaîne. C'est une excellente crème, je vous ai toujours mis le lien en barre d'infos. Là je vais vous rajouter les deux autres produits, mais ça c'est vraiment une tuerie. Je l'ai eu au mois de septembre. Il faut juste mettre une petite noisette sur le visage et ça fait l'affaire. Ça dure extrêmement longtemps, c'est hyper bien. Et l'odeur, hein, de toute façon j'en parle plus moi de l'odeur, hein, mais l'odeur est divine, hein. Donc je laisse agir 15 minutes et ensuite je vais mettre mon petit masque. Hop. Bon voilà, ça fait 15 minutes, il pleut de fou dehors, c'est ouf. Ensuite on met le petit masque, donc il se présente comme ceci, donc c'est assez fluide. Moi je l'applique avec les doigts, d'habitude j'applique les masques avec un pinceau, mais comme c'est un masque qui est fluide, bah, c'est plus facile d'appliquer à la main. Après, la peau va vraiment absorber le masque comme jamais, et le lendemain matin il faudra juste enlever l'excédent avec un coton ou nettoyer ta peau. Moi je nettoie la peau, et l'odeur est vraiment divine. Donc ça, Polar, de toute façon je vous les conseille à 15 milliards de pourcents. C'est une très 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 bonne marque de soins. Vraiment si vous avez des promotions dessus, foncez parce que c'est une très 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 bonne marque. Mon cou est assez fragile donc j'en mets pas dans le cou. Et donc bah voilà en fait pour ma petite routine en ce moment. Donc quand je mets pas de masque en fait, je mets soit la crème de nuit Polar, la crème revitalisante quand ma peau est vraiment tiraillée. Sinon je mets celle de la marque avant. Et vraiment je vous conseille à 15 milliards de pourcents cette marque-là, Polar. Moi, ce que j'avais peur, c'était que ça me fasse des boutons, que ça me donne la peau encore plus grasse, que ça me la nourrit au lieu de l'hydrater. Au final, pas du tout, ça me rend ma peau hyper rebondie et tout. Enfin bref, j'adore cette marque-là, elle est géniale. Donc bref, là, je vais faire du montage, etc. J'ai plein de choses à faire. En tout cas, j'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à liker si c'est le cas. Et à vous abonner à ma chaîne juste là si ce n'est toujours pas fait. Je vous mettrai d'anciennes vidéos qui s'afficheront juste en bas. Je vous fais d'énormes bisous. Je vous dis à plus tard dans une prochaine vidéo.